في البداية بحب أنقل تحيات المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بمعالي وزير الزراعة إلى وزارة الزراعة وزارة الفلاحة المغربية، وتأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر بالإضافة لكافة الأشقاء من البلدان العربية والبلدان الصديقة لدعم المغرب في الواحات المستدامة، وإن شاء الله يا رب أنه يتم الموافقة على اعتماد الواحة المستدامة مستقبلا في كوب 28. وإحنا في الأردن أيضا لنا تجارب في نخيل التمر، ونقف إلى جنب المملكة المغربية صفا واحدا في تحقيق كافة الإنجازات والمتحققات المستقبلية إن شاء الله. L'IFAO est ravi de participer à ce premier congrès sur les oasis et les palmiers dattiers, parce que les oasis constituent un écosystème unique, riche en biodiversité, et les populations qui vivent dans les oasis aussi ont un riche patrimoine culturel. Mais en même temps, les oasis constituent un écosystème vulnérable et fragile. Et ces écosystèmes sont maintenant exposés à beaucoup de chocs. Par exemple, le changement climatique qui se traduit par plus d'extrêmes climatiques, on voit plus de sécheresse. Et cela accélère, la dégradation des sols, et cette biodiversité qui fait la richesse de ces écosystèmes est menacée. Donc, dans ces conditions, c'est vraiment une très bonne initiative d'organiser ce congrès qui permet à toutes les parties prenantes de réfléchir à la meilleure stratégie, aux meilleures options pour assurer un développement durable de ces écosystèmes uniques.